la vie. Et c'est un test de mathématiques qui aurait zéro pour ne pas avoir su calculer cette identité remarquable que je suis. Mon envie de me soustraire à ce monde de mort proportionnel à ma faculté de multiplier les échecs. Et je ne m'excuse pas si je ne te calcule pas. Moi, si je suis nul en maths, c'est que je n'ai jamais compté pour personne. Apportant les rues, j'ai croisé la petite fille aux allumettes, mais la trouvant trop froide, me dit que ce n'était pas la peine. Y a-t-il que dans les crématoriums qu'on trouve de la chaleur humaine? Tu es en train, puisque tu veux du petit pose et sur des rails. Une école privée au secours, tu soutiens de l'église à la prépa, de la prépa. Je sais à ce poste de PDG. Attention, prochain arrêt en garde la normativité. J'ai dit quoi? Tu es un mec sympa qui passe ses vacances à Bordeaux parce que c'est sympa, avec des gens sympas dans une maison sympa. Enchanté en polo, les pieds nus dans tes bateaux, un pull noué autour de cou, cela te donne un style sympa. Que dirais-tu si demain je venais défoncer ta famille, tous les tiens dans ma main, ton frère de gosse préféré, ma chemise rose ensanglantée, de ta fille, de ta femme, de ton chien, de ton père, de ta maîtresse, de ta mère. Allez sèche tes larmes, je ne vais pas vraiment le faire. Tu te demandes pourquoi, mais cela ne serait pas très sympa. Nous allons à la piscine, nous allons penser à t'acheter des bouées. Tu ne t'es jamais mouillé, donc j'en déduis que tu ne sais pas nager. Aujourd'hui tu viens de t'acheter un nouveau canapé. S'il te plaît, ça va? J'espère que tu es bien assis. C'est quand même le minimum lorsqu'on est le spectateur de sa propre vie. Et s'il t'arrive de croiser Alice, Agnès ou Cassandra, rappelle-leur que nous sommes avec herpès, syphilis et sida cette fille. Comment la décrire? Elle est comme un petit papillon volant majestueusement dans un jardin où toutes ses fleurs auraient été remplacées par des pénis. Officiellement rattaché à l'un, ça n'empêche pas de se poser sur d'autres, de se faire se prendre d'avoir fait peut-être une toute petite bêtise. Lorsque ce genre de fille s'est fait malheureusement engrosser, il arrête qu'elle donne naissance à un enfant de sexe féminin. Voilà la manière dont les salopes se reproduisent. Dans 20 ans, tu ne seras plus qu'une poutre sur le retour. Et j'espère bien que quelqu'un aura l'idée de te crever en chemin. Dans la vie, seul le contexte semble compter ainsi. Un type assis sur un banc, les cheveux longs et sales, mal habillé, vomissant de l'alcool et sans nul doute à SDF un petit peu éméché. Dans une soirée, un type, les cheveux longs et sales, mal habillé, affalé sur une banquette, vomissant de l'alcool et avanché. Et dis à ta petite amie que c'est pas la peine qu'elle porte des bouts de boue, des collants roses, une jupe à fleurs et un blouson Prada. Elle ferait mieux de se balader avec une pancarte sur laquelle elle aurait été. Je vous en prie, s'il vous plaît, regardez-moi. Ce que les médecins nous cachent et que nos cœurs sont pleins de vide. Ce que nous appelons pas frères, ça augmenterait les fratricides. Et les historiens se trompent, cherchent des causes, sont piqués aux guerres. Alors que depuis nos balbutiements, il n'y a que des batailles d'égo. Certes, nous pouvons l'inscrire dans des châteaux, des conventions. Pourtant, je n'ai pas l'impression que nous voulions tous être égaux. J'ai trouvé comment être l'homme le plus riche de toute l'humanité. Et je sais plus que j'avais en te faire repasser les égaux froissés. Telle des toupies magnifiques des seins des êtres humains et de tourner tout le monde à son ticket pour le manège des vanités. Pardon! Il y en a qui connaissent Vive la vie ici. Oh oh. J'adore dire un peu dans mon appart, une robe de champleau largement ouverte sur mon torse, c'est fourni depuis que j'ai collé les poils, coupé sur mes jambes et testicules. Personnellement, comme ça, je trouve que j'ai trop de classe. Je pourrais être n'importe où en train de faire n'importe quoi. De toute façon, cela ne change rien. Nulle part, je trouve ma place. J'ai pas trouvé l'arme adéquate afin de tuer mon ennui. Les journées paraissent longues, j'aimerais pouvoir changer ma vie. Envisageant de me reconvertir en gigolo. Dans mon immeuble, il y a plein de vieilles, les rides ne vont jamais gêner. Cela fait toujours 10h45 minutes et 23 secondes que mon amoureuse aurait dû m'appeler. Tout à l'heure, j'avais réussi à me convaincre que ce silence prolongé était une preuve d'amour. À présent, fermant les yeux, tout ce que je vais dire, son corps pénétré par des centaines de types bizarres. Et elle a le temps, à quatre pattes sur un lit suppliant. Encore, il est 23h12 et j'ai envie de mourir. Je prends mes pilules, sinon je ne peux pas dormir. J'ai tout pour être heureux. J'ai tout pour être heureux. J'ai tout pour être heureux. J'ai tout pour être heureux.
Tu verras, la mort te fera aussi douce que les fêtes de ce jeune primate et périssant peu à peu dans sa cage. Plus personne ne lui prête attention, préférant voir les otaries. Les seules images qui me restent de mon rêve. Petit à petit son souvenir se tarit. Pour ranger ma chambre il y a une pote. Pour ranger ma tête un psychologue. Pour Jean-Sin j'ai trouvé personne de compétent. C'est pas grave de toute façon j'adore répéter. Je suis déjà mort même si c'est faux médicalement. Je vais très mal et ça ça se voit. Mais comme personne ne voit moi-même je me demande intérêt de dire ce genre de choses. Pour eux couper mon compte en mille cas semble être une manière amicale de me dire bienvenue dans la fuite. C'est gentil mais maintenant ce que j'aimerais c'est qu'on recolle. Je reste exactement 607 fois. Je passe mon test de normalité humaine. Et à chaque fois on me recale. Papillon, petite boîte, sur deux une facette très malheureuse. Arc-en-ciel, métallurgie, papier, crayon. Quand je rentre, je dis à peu près ce qui me passe par la tête. Mais d'un arrêt balance sûrement une toute petite balle de plomb. J'ai tout pour être heureux. J'ai tout pour être heureux. J'ai tout pour être heureux. J'ai tout pour être en bas. Thank you.
Ça va bien les gens? La dernière fois que je suis venu ici, c'était en 2005. J'ai moins de cheveux, je suis plus gros et je suis toujours là. Je me rappelle de ce jour où j'ai dit qu'il m'aime suit. Depuis j'attends toujours même si personne n'arrive. Cela va faire longtemps déjà, étant enfant à l'école, dans la cour, mon meilleur pote était un banc. J'ai compris à son contact que mes relations seraient dures, qu'il fallait que je sache pour ne pas être déçu, que les amis, tout comme lui, je pouvais m'asseoir dessus. Le samedi soir, je regarde évoluer les autres êtres humains. Ils vont souvent partout, certains se tiennent à main. Les miennes sont dans mes poches parce que j'attends quelqu'un. Ayant 10 ans de retard, voire plus, je n'en sais rien. Pour mon anniversaire, ma mamie m'a donné 10 euros sans sas. Ça fera un pack de pierre et un porno. Je me sens bien derrière le rideau dans le vidéoclub. Et à face avec plein de pistes, on doit toutes me dire prends-moi. Ok, d'accord, mais bon, pas tout à la fois. Un jour où ça n'ira pas, j'irai m'acheter un chat, il sera blanc. Je l'appellerai ma chérie les enfants. Comme ça, comme tout le monde, au soir en rentrant chez moi, je pourrais dire ma chérie les enfants. Je suis là, je me sens seul. Ils ont coupé mon cordon, depuis je n'ai plus été rattaché à personne. Je me sens seul, chez moi tout est silencieux. Des ressorts de mon lit jusqu'à mon téléphone. Je me sens seul, je n'ai pas beaucoup de force. J'aimerais que quelqu'un m'aide à partager ma vie. Je me sens seul, je ne veux pas mourir maintenant. J'ai trop peur que ma tombe ne soit jamais fleurie. Je me sens seul, ils ont coupé mon cordon. Depuis je n'ai plus été rattaché à personne. Je me sens seul, chez moi tout est silencieux. Des ressorts de mon lit jusqu'à mon téléphone. Je me sens seul, je n'ai pas beaucoup de force. J'aimerais que quelqu'un m'aide à partager ma vie. Je me sens seul, je ne veux pas mourir maintenant. J'ai trop peur que ma tombe ne soit jamais fleurie. Je ne sais pas si être à deux pour être heureux, mais je suis certain que être un, c'est forcément moins bien. C'est ce que je me dis en faisant mes courses le vendredi soir, entouré de gens espérant comme moi qu'il n'est pas trop tard. Que désormais le célibat ne colle pas à leur peau, comme l'acné, les points noirs du temps où ils étaient ados. Y'a une fée qui me plaît dans l'oreille ou ravioli. J'essaie de pousser mon caddie avec un air sexy. En choisissant mes pas, je cherche quelque chose à lui dire, mais préfère encore me taire afin d'éviter le pire. Et comme d'hab pour le week-end, je resterai sale chez moi à manger des plats pour deux que je ne finirai pas. La fin de ma vie, j'aimerais bien la croiser demain. Je l'amènerai au lit, assis au parc de l'hôtel des Pins. À nouveau sur le monde, mais cette fois-ci à deux, je serai l'homme le plus heureux que la terre n'ait jamais vu. Jusqu'à ce petit matin, en se réveillant à mes côtés, elle s'apercevra que malheureusement, elle ne m'aime plus. Je me sens seul, crois le contraire, si se voiler la face. Les cercles n'ont qu'une place, je me sens seul. Ils ont coupé mon cordon, depuis je n'ai plus été rattaché à personne. Je me sens seul, chez moi tout est silencieux. Des ressorts de mon lit jusqu'à mon téléphone. Je me sens seul, je n'ai pas beaucoup de force. J'aimerais que quelqu'un m'aide à partager ma vie. Je me sens seul, je ne veux pas mourir maintenant. J'ai trop peur que ma tombe ne soit jamais fleurie. Je me sens seul, ils ont coupé mon cordon. Depuis je n'ai plus été rattaché à personne. Je me sens seul, chez moi tout est silencieux. Des ressorts de mon lit jusqu'à mon téléphone. Je me sens seul, je n'ai pas beaucoup de force. J'aimerais que quelqu'un m'aide à partager ma vie. Je me sens seul, je ne veux pas mourir maintenant. J'ai trop peur que ma tombe ne soit jamais fleurie. Toujours les gens, vous m'entendez bien? Ah, ils disent moyen. Est-ce qu'il y en a qui aiment le hip-hop ici? Vous êtes gourés de concert.